Yo les skillers, c'est LoSunK, j'espère que vous allez tous très bien. Bon bah écoutez, pour ma part, tout va impec. Aujourd'hui, petite vidéo qui va vraiment pas durer très longtemps, tout simplement parce que vous avez été nombreux à me demander donc faire une vidéo tuto sur une finition skill. En l'occurrence, le coup du foulard, lobé et art à terre. Vous verrez, c'est très facile. Donc je tiens à vous prévenir que moi, je joue sur PS4. Donc pour ceux qui sont sur Xbox, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je pense, à mon avis, que c'est les mêmes touches, hein. J'en ai pas la certitude, mais au pire, vous me direz dans les commentaires. Si jamais dans la vidéo vous verrez peut-être d'autres phases de gameplay qui vous plaît, même si elle est courte, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, comme ça après bah, ça pourra m'aider à vous proposer donc d'autres vidéos tuto sur un autre geste technique. Là je vais commencer tout de suite, donc c'est très simple, vous verrez que j'en ai mis comme j'en ai raté, hein. De toute façon j'ai tenté la plupart du temps donc de faire des coups du foulard. Pour le coup du foulard lobé, donc c'est simple, vous allez vous servir de la touche L2 constamment, c'est la touche qui va vous aider donc à réaliser cette finition skill. Et donc avec L2 pour lobé, c'est simple, donc c'est la touche qui va vous permettre de centrer. Moi vu que je suis en alternatif, donc c'est rond, et pour ceux qui sont en classique, évidemment je crois, si je me trompe pas, que c'est carré. Et du coup bah c'est simple, donc L2 plus rond et vous choisissez une direction. Et ensuite pour le coup du foulard à terre, donc ça c'est plus facile, ça, normalement vous ne devrez pas trop avoir de difficulté là-dessus. C'est simplement L2 plus la touche qui vous permet de tirer, donc moi c'est carré. Et évidemment faut essayer d'être perpendiculaire à la cage. Je ne sais pas si jamais vous comprendrez ce terme-là, mais voilà, si vous êtes face à la cage tout droit, ça risque de pas marcher en tout cas. Faut vraiment que ça soit un peu croisé, sinon ça ne pourra pas rentrer. En tout cas, j'espère que ce tuto va vous aider pour réaliser des meilleurs buts. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous. Bye, c'était LoSunK.